Israël dit que Dieu est un faiseur de miracles. Son nom c'est Yahweh et certainement il fera un miracle. Le missionnaire Claude. Amen. Alléluia. Amen. D'accord, Jésus. Nous remercions Jésus. À cette heure, notre papa Jérémie nous doit venir. Mais avant de lui donner la parole, il y a certains hommes de Dieu parmi nous. Nous allons leur donner la parole, ils vont se présenter. Maman, le bienvenue, homme de Dieu. Yo. Nous remercions Dieu pour cette opportunité ce soir. Église internationale de la nouvelle dimension à Blogame. Et nous venons de l'église internationale de la nouvelle dimension, la branche d'Ablogame. Alléluia. Amen. Amen. Pasteur Afangbeji Joachim. Je me nomme le pasteur Afangbeji Joachim. Amen. Amen. Je remercie Dieu encore une fois ce soir. Et je remercie Dieu pour la vie de notre papa spirituel et de toute la vision. Amen. Amen. Je suis fidèle à l'église de la nouvelle dimension à Blogame. Mon nom c'est la sœur Doris. Amen. Amen. Pour continuer, il a été dit que vous avez un réveil chez vous. Amen. Amen. Effectivement, nous avons un réveil à faire. Amen. Réveil de nous avons un réveil que nous allons commencer. Nous remercions Dieu pour cette opportunité. Amen. Amen. Le réveil à mes arrêts, le réveil en tsunami. Amen. Amen.
Même y'a ton père, Béta. Amen. Remercions Dieu pour la vie de notre papa. Elle a pas été mieux gardé, lui tient mon wole yamala. Que quand nous avons entamé le dixième. Et Yehova t'a donné des fiers nez. Dieu lui a donné une révélation. Maintenant, même y'a donné Égypte de même ça aussi, mais. Amen. Sorti de l'esprit d'Égypte. Hallelujah. Amen. Et moi, le tout tanya yamala dans mon garo les mains. Et Dieu passe par ce thème et donne la vie. Et que mieux le tanya yadia. Et quand nous avons commandé. Maou gavat promido gobubunewana. Dieu nous a amené à un trône. Et y'a même un réveil que mieux à toi comme chola. Et le réveil que nous allons commencer de. Il dit, le thème dit, il est temps que je m'en sorte. Alléluia. Il est temps que je sorte de la situation. Amen. Tant que le réveil ainsi, moi. Voici le thème du réveil. Amen. 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 Alléluia. Pourquoi avez-vous choisi le thème? Pourquoi nous avons choisi le thème? Le thème vient de Dieu. Elle avait quand même des vatala. Parce que la révélation est venue. Mais nous la sont les mains. Nous devons marcher dans la révélation. Elle avait dit mau vu grémé le nom de homme. Parce que nous avons identifié que qui manie mau peut dimanche dit ne viao. Que c'est pas le plan de Dieu. Avec mau peut bado tout le miak ma bentia. Comme la promesse de Dieu de Dieu dit. Allez ou normal le nom mau. La chose n'est pas comme cela. Car est-ce que mon pourquoi signer si mon miak t'es wa vous n'y a de l'homme là et me recevez n'y a de l'homme chagodo. Amen. Ok, les miens soeurs de Doris Mouya bio benari yes va mérite à va fumari ce qui a fait qu'au réveil à la réfica et soeur Doris, est-ce que vous pouvez nous expliquer le lieu du réveil? Amen. Amen. Je remercie encore une fois Dieu pour l'opportunité. Amen. Amen. Si vous voulez venir au réveil, non, si vous êtes à Anéhor, à Kogan, à Vepozo, vous allez prendre la voiture ou la moto, vous allez vous arrêter à l'hôtel Sarakawa. Et là-bas, tous les bandes que vous allez trouver, vous allez lui demander que vous allez arrêter comme là où il y a vend du haricot. Et il y a le temple près de là. Et le ciel donne la victoire aux gens là-bas. Amen. Amen. Une fois encore, si vous êtes à Segbe, vous êtes à Didogome, à Gwe, partout où vous êtes à Olomé, prenez la voiture ou la moto, venez à la pharmacie des Oliviers. Arrivez là-bas, vous allez demander d'après là où Dado vend du haricot. Amen. Amen. Et Dieu donne la victoire aux gens là-bas. Par l'onction de notre papa, nous entrons dans nos destinées. Alors ce soir, un téléspectateur qui nous regarde, l'onction nous a donné la victoire. L'onction que Dieu a mis sur notre papa spirituel, cela nous fait révéler au peuple. Cela ôte la honte sur nous. Cela fait de nous la tête dans la famille. Amen. Amen. Alors, toi, spectateur qui nous regarde ce soir, nous t'invitons spécialement. Et notre papa spirituel sera dans le réveil. Et des miracles vont encore se produire. Amen. Mais ma bio c'est le réveil à mes rêves cap et alors à mes peuples au Tchadjava. Amen. Amen. Mais d'après moi, alors mais si mon nom la gante le one à mes yeux. Merci Dieu parce que. Et les nyabotas de la Yeshua. Amen. Hallelujah. Et hier, avant mes canis visionnaires. Les maouton papa de quoi d'assinala abam nyato bagomoto révérend Jérémie Novono Dof papa miamno bagomoto maman Edith là papa Jérémie Novono Dof avec wale simono wanaya alléluia amen et bacho yedia maou pa bubu ocho le visa me kole wanaya amen il y a encore d'autres hommes de Dieu dans la maison il y a des hommes de Dieu qui kele abeta pe nous toi mais qui est dans le congé il kele abeta pe bagbole ikoji le tepone Yesu et les esprits d'amen il y a un homme le réveil amen amen. Et il y a encore un homme de Dieu, pasteur William. Il y a encore l'homme de Dieu, pasteur William. Et que le quartier de Toglekop est à Toglekop. Et que Toglekop est à Toglekop. Et que Toglekop est à Toglekop. Et il y a un homme de Dieu, pasteur Esaïe. Il y a un homme de Dieu comme le pasteur. Et il est à Toglekop. Et il est à Toglekop. Et il est fou, il est à Dinamo. Et 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 il est à Nao de Katala. Homme de Dieu avec moi, nous allons faire un. Nade quel lo dans nos mères maman croise, c'est pas la mission, mais quand tu vas là-bas. Quelque chose qui te tient sur. Dame, subitement la gamme dans nos mères
Amen. Mais tant que Dieu sauve quelqu'un dans la vie, je voudrais te rassurer que après le bois, le mort, ma joie le dit, ne me garde pas ton mot, peu importe ta situation, je te lance le défi. Bonne la tête, tu es là-bas. Tu peux te lever. Tu peux la gueule à mon tonton domaine. Tu as mis ici à dire le pomme le retour. Ah, la bonne, moi je suis mon homme, t'es bien. Je n'ai pas compris. Tu as mis un mot de ta femme. Parce que Dieu. Ah, mais Christo. Elle est calme, on vient de faire un alors crois en ceci. Elle est du poids du Gino. Maintenant, nous sommes les calais. Baka Kako de Bonya. Amen. Que tu vois Samina. Yo, la Togo. Yo, Chino, la Tro. Amen. Amen. Ya, ma femme, on a un ami. Oyiro Bobori. Oyiro Chalopon. Ma Jima Bio, est-ce que Amérie Bia va fumer? Niame, soit Doris et de son fumant. Bon. Peut-être numéro de la mère ou un numéro de la qui a directement né ou toi de solidarité. Amen. Amen. Regarde, pour moi, il y a pas pasteur et que les biens n'y a pas de bêta. Et non, mais il y a un réveil à la. Si vous voulez venir au réveil, il a bloqué pour nous tous. Nous sommes à bloquer. À bloquer, vous êtes comme. Et non, mais il y a un mi à Seigneur Mokola. On a été comme le 97. Vous pouvez nous appeler sur le 96 11 53 85. On a pas comme le 90. Vous pouvez nous appeler encore sur le 90. 63 03 06. Maou Aboudjino. Dieu te donnera la victoire. Amen. Oyiro Bobori. Amen. 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 À 17h le soir. Eh, faut toi mon dame bobo. Ça va commencer. Ami si chaja ou le photo. Réveille à toi du chogaton. Et le mien nous dit autre ça autre. Et nous allons faire cela. Il y a même noté le fil d'acte bébé que quand même. Et nous allons nous arrêter le vendredi. Vendredi soir. Le vendredi soir. Et le costume de autre pas du gavola. Et le dimanche à 14h. Et réveille à Oumu. Et le Yapoteosa. Je t'invite, je te fortifie. Tu m'as gardé le fond. Ne sois pas découragé. Mais il vision que je sais la vision dans laquelle je suis. Mais je sais ce que la vision. Alors, maintenant, que le fille là. Parce que moi-même qui suis ici. J'étais mort. Vois-toi, que là. Moi, le tout, j'ai dit, n'est pas moi, ben. Alors, tu m'as gardé le fond. Mais le fond pour le cacaré, tu m'as. Mais tu m'as tout le sang. Alors, je voudrais t'encourager. À mon bon, le bonheur passe au vivant nous-mêmes. Les gens disent que la vision. Mais que mon togo là, à main que tu me togo, je suis tout dia. Ma vie vient à nous. On t'en va pas là. Amen. Attends, à ce côté. Et tu me gardes le fond là. Ma pauvre là. Oh, la n'a pas de temps. Amen. Et tu me togo, tu me togo là. Et tu me dis la petite doji. Et là, non là. Maoula, on a tout dit. Et comment on a mal de dents, mon âme? Comment on va me faire mon âme? Le tchat, mon âme, de le fou, même. Bah, maou, pas quand on le voit. Tu me gardes le fou, là, mon âme. Sois le fils que l'on est là. Lui, que ma vie, tu vois qu'on a tiré des arrêts. Et n'a pas de mort, n'a pas de vous. Et n'a pas d'abloga pour nous tourner. Et n'a pas de goût, mais tu peux me dire. Yesu, là, on a le nom. Voyez là. Béna, au pas gomme le wana. Parce que tu as pris part. Amen. Amen. Oyira mi le mon ami. Amen. 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 Quand on m'y a pas mis à toi, Bubuto, Jérémie le bon d'offre. Notre papa, Jérémie le bon d'offre. Amen. Amen.
Amen. Soyez bénis dans le beau et précieux nom du Seigneur Jésus-Christ. Ce soir, nous avons sur le plateau une écrivaine chrétienne. Nous allons lui donner l'occasion de se présenter. Merci. Je suis Christine Edan. D'accord. Vous êtes auteur du livre intitulé « Le voyage de la destinée, le chemin tracé ». D'où vous êtes venue l'inspiration pour écrire ce livre? Je vous remercie pour cette question. C'est une longue histoire. Disons que l'inspiration m'est venue quand j'étais étudiante. C'est comme un jour j'étais dans la chambre et j'ai entendu la voix qui me dit: prends un stylo et prends un cahier. Et quand je les ai pris, c'est comme si on me fait faire une dictée. J'écrivais. À un moment donné, ça s'est arrêté. Un autre jour, j'ai encore entendu la voix qui me dit: reprends le cahier, le stylo et poursuivons. Et c'est comme ça m'est venue l'inspiration. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Oui. Maintenant, pouvez-vous nous donner quelques mots sur le contenu du document? Je vous remercie toujours. La thématique de cet ouvrage, c'est en fait le don que nous avons. Ou bien le trésor que nous avons. Alors, que, sinon nous, que nous ne reconnaissons pas comme étant un trésor. D'une part. Le TPDA. Et nous le vilipendons. Mais si il t'arrive, voilà. Ou bien tu rencontres quelqu'un qui te mène, qui te trace le chemin. Et si tu y marches, et là, le trésor que tu as, tu vas le découvrir et tu vas bien l'utiliser. Maintenant, la dédicace se fera très prochainement. Quelles sont la date et le lieu de la dédicace? Merci. La dédicace se fera au Agora Senghor. Le 20 novembre 2021. À 14h30. Merci beaucoup. Quel est votre mot de fin maintenant? Mon mot de fin, c'est que dans le livre « L'héroïne », je veux parler de Sergena. Il y en a beaucoup aujourd'hui au milieu de nous, de par le monde. Il y en a plein. Tellement que c'est des gens qui ont utilisé à tort leur trésor. Quand je parle de trésor, je veux parler de ce que le Seigneur nous donne. Je veux et m'adresser particulièrement aux jeunes gens, aux jeunes filles. Nous avons un trésor et ce trésor, c'est ce que, c'est, je veux dire entre griffes, c'est notre cesse. Mais si nous ne l'utilisons pas à bon escient, autant que nous devons l'utiliser, et si nous ne l'utilisons pas, nous allons payer les frais nous-mêmes. Mais si nous l'utilisons à bon escient, autant que le Seigneur le demande, ou bien le temps voulu, nous en tirerons les bonnes conséquences. Donc aujourd'hui, l'héroïne, je veux dire, elle a utilisé à tort
mais la grâce lui a été donnée de reprendre le chemin là où il a, elle a laissé. Donc, je fais appel à tout le monde, surtout aux jeunes filles, de nous garder que, comme le Seigneur le veut pour nous. Parce que quand le Seigneur nous donne une loi, il sait pourquoi il nous donne cette loi. Et si nous passons à côté de ce qu'il nous donne, c'est nous-mêmes qui souffrons après. Et nous ne voulons plus souffrir. Nous ne voulons pas voir les filles souffrir. Nous ne voulons pas voir les jeunes filles et les jeunes hommes souffrir. De même que les mamans au foyer aussi. Parce que le livre n'est pas seulement pour les jeunes filles et les jeunes garçons. Enfin, le livre englobe tout. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse abondamment. Papa, nous venons à vous. Vous faites partie de ceux qui ont préfacé cet ouvrage. Pouvez-vous nous donner quelques mots là-dessus? Alléluia. Amen. Nous bénissons le Seigneur Jésus pour sa grâce. Et je bénis Dieu pour la vie de cette télévision, de son directeur général, amen, et de toute l'équipe qui travaille ici. Et nous remercions Dieu pour la vie, nous bénissons nos autorités et toute la classe politique. Et nous prions que leur œuvre n'est pas facile aussi. Alors que Dieu leur donne plus de grâce et de sagesse afin qu'ils puissent le faire dans la parfaite crainte de Dieu. Et pour répondre à ma question, je dois justifier que l'auteur de cette œuvre n'est pas ramassé sur la rue au hasard, mais c'est l'un des pasteurs de la Nouvelle Dimension. Ce qui justifie sa présence ici à cette émission à cette heure. Alléluia. Amen. Et le thème dit le voyage de la destinée. Alléluia. Amen. Le voyage de la destinée. Amen. Amen. Et en tant que littéraire, et cette œuvre est d'un impact ou bien d'une formation particulière. Parce que d'abord le thème, le voyage de la destinée, le mot destin ou destinée, est un mot qui interpelle tous. C'est un mot qui demeure, qui ne pas maîtrisé au point où chacun est toujours vu, interpellé. Quand on parle de la destinée. Amen. Alors, le destinée, c'est l'insaisie d'avance. Amen. La destinée. Alors, bien-aimé, le voyage de la destinée, déjà vous voyez ce que ça pourrait être. C'est un parcours, l'ensemble de parcours d'une vie. Et ce n'est pas quelque chose qu'on peut dire en 5 minutes. La destinée ou le destin nous réserve beaucoup de menus. Voilà, si je m'exprime ainsi. Et parmi tout ce qui constitue notre destinée, c'est un peu correspondre et répondre exactement à nos attentes, mais d'autres sont des faits accomplis à nous. Et on ne peut que remercier Dieu là-dessus. Mais
pour nous les chrétiens, la Bible dit toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Et à la fin, vous vous rendez compte que Dieu a permis que vous passiez par tout cela pour vous former et pour vous amener à quelque part. Même si certaines expériences sont douloureuses, à la fin, on comprend. Et on rend grâce à Dieu. Alors, cet ouvrage qui est un roman, mais au moment qui est une littérature chrétienne, un livre chrétien, voilà un peu la particularité. À le sens où c'est des versets bibliques qui y sont, il y a des versets bibliques là-dedans, la parole de Dieu y est utilisée, mais de façon littéraire, c'est-à-dire que de façon, il y a la narration, il y a la narration, parce qu'il y a des personnages romanesques, et au moment, mais c'est la parole de Dieu en fait. Vous vous rendez compte qu'il y a certaines personnes qui, quand vous les arrêtez en chemin pour leur prêcher l'évangile, elles ne s'arrêteraient pas. Mais c'est une stratégie qui permettra même aux érudits, même aux intellectuels, de progressivement découvrir la, Dieu, le maître de toutes les destinées. Et donc, avant, dans beaucoup de livres chrétiens qu'on lisait, je rends grâce à Dieu pour ça. Si on veut parler d'un thème, par exemple, on veut parler de la foi, et je donne un exemple. On définit la foi. Qu'est-ce que la foi? Quelles sont les parties de la foi? C'était direct. Mais ici, qui est à la fiction mêlée au moment à la réalité biblique, c'est une autre sculpture. Et seul Dieu peut donner de telles inspirations. Comme l'auteur vient d'en donner l'explication. Une innovation donc. Un genre nouveau, j'allais dire. Et aussi, le thème. C'est-à-dire que l'actualité du thème qui touche à la jeune fille ou bien aux femmes, genre féminine, et c'est la couche qui est le plus touchée en ce qui concerne les mots de l'heure du temps actuel. Et cela explique le pourquoi de gros organismes comme l'ONU, l'UNICEF, etc., peuvent se préoccuper de la gestion de leur situation. Donc la cible de cette œuvre est la bienvenue. Le thème est bien ciblé, c'est bien pris. Parce que ça sera une pierre de plus à l'édifice mondial, aux efforts fournis déjà par de grands organismes. Et aujourd'hui, vu la dépravation sexuelle à laquelle nous assistons, si vous êtes berger, vous allez voir des jeunes filles de 12 ans, 18, 15 ans qui sont déjà divergées, et des élèves qui ont des copains, copines. Or, nous savons déjà ce que cela implique, les relations sexuelles hors Dieu. Ce monde est donc malade. Et c'est donc des destinées malades, mais guérissables par le seul remède fourni par le gardien de la forêt, comme elle l'a appelé Dieu. Elle appelle Dieu dans cette œuvre. Et je vois aussi un trait autobiographique dans. C'est-à-dire que la mission qu'une actrice avait jouée, c'est de conseiller les jeunes femmes, les jeunes filles. C'est, je crois que c'est ce qu'elle était de jouer indirectement. Ça aurait pu. Tu vois que c'est une mission que Dieu lui donnait. Ensuite, elle a directement déjà aussi. Et qui commence par se concrétiser. Et l'œuvre est déjà sortie maintenant. Elle est devenue nôtre à nous tous. Et comme elle a dit le 20 novembre, nous sommes tous invités, les mamans,
les parents et les acteurs de l'éducation étaient là pour que cette question de destin qui demain est saisie, imprévisible de façon détaillée. On a eu une idée générale là-dessus. Dieu a dit qu'il a pour nous des plans de bonheur. Mais les détails, pourquoi l'autre est né, le souci est né au Togo au lieu de naître aux États-Unis par exemple. Et bien aimé, Dieu a choisi tout pour une cause. Et ce qui est intéressant, c'est que quelle que soit l'histoire de vie que tu as, la solution de sortir est proposée dans cette œuvre. Que tu aies connu très tôt Dieu, le maître, le gardien de la forêt. Ou que tu aies suivi très tôt ses conseils pour bien te conserver. Ou que tu n'aies pas eu la chance là, à la fin, Dieu peut restaurer tout le monde. C'est ça la bonne histoire. Et quelle est la procédure? C'est à y découvrir. Donc soyez bénis. Je ne peux que rendre grâce à Dieu pour cette conjugaison à la fois du génie inventif par rapport à la fiction, mais aussi ce n'est pas de la fiction puisque c'est des choses réelles que nous vivons actuellement. Mais au-delà de ça, c'est aussi la parole de Dieu. Que Dieu soit béni et à vous de faire la continuer le voyage de la destinée. Amen. Amen. Merci papa pour cet apport considérable. Merci. Maintenant, nous avons appris qu'il y a un forum de mariage à l'église internationale de la Nouvelle Dimension. Est-ce que vous pouvez nous donner un peu plus de détails là-dessus? Oui, nous disons merci au Seigneur Jésus. Et il y a un forum de mariage qui va avoir lieu, parce que c'est quelque chose de nouveau, mais c'est réel. Amen. Et je voudrais rendre grâce à Dieu, parce que si nous sommes vraiment des bergers, nous devons nous soucier du bien-être du troupeau. Et le troupeau a des besoins différents. Si vous visitez aujourd'hui nos églises, les églises en général, bien-aimés, il y a des soeurs qui ont 35 ans, 40 ans, 32 ans, 33 ans, et qui n'ont pas de mari, même pas de fiancé, et même chose pour des frères. Mais pour les frères, ça se comprend un peu, parce que c'est eux de choisir. Mais les femmes bien-aimées, elles doivent attendre ce jour en Afrique. Juste en Afrique, la femme n'avance, ne fait pas souvent des avances. Amen. C'est béni. Donc, c'est un problème dans l'église. Or, ça pouvait, la résolution de ce problème, cette résolution pouvait aider à un meilleur épanouissement des brebis. Parce que je connais des cas, parce que j'ai grandi dans l'église. J'ai grandi dans l'église, j'ai été chrétien très tôt. Amen. Alors, bien-aimé, j'ai vu des gens qui attendaient. Vu la flexibilité de leur foi, après ils ont bouché, certains sont partis se marier dans le monde et avec les conséquences. D'autres sont demeurés, même il n'y a pas la vraie joie là, dans l'église pour eux, pour elles. Et quel témoignage pour le monde? Et qu'est-ce que le monde peut voir? Puisque le monde ne croit qu'au concret. Le monde a sa manière de réfléchir et d'analyser les choses. Alors, qu'est-ce qui va les attirer de nous? Amen. Alors, bien-aimés,
nous voudrons suivre cette inspiration. Ce n'est pas la première édition. Nous en avions fait déjà. Et il y a des indices là. Et c'est quand Dieu nous inspire que nous faisons cela. Par la grâce de Dieu, les années l'année où on avait fait ça, ça fait déjà quelques années, il y a des gens que le Seigneur a fait entrer dans la grâce et la bénédiction du mariage. Après, c'est-à-dire ils ont trouvé leur fiancé. Ils sont entrés dans ce mariage. Alléluia. Alléluia. Donc, nous faisons quand Dieu nous inspire. C'est cette année qu'ils ont encore inspiré. Amen. Amen. C'est pour cela que nous sommes convenus que, pour le faire savoir à tout le monde, que ce n'est pas encore fini. Tu peux encore trouver la solution. Il me dit que ce n'est pas bon que l'homme soit seul. Il me dit que mon son ami peut opportunité ou un homme vieux. Et c'est à nous les bergers de donner les opportunités aux fidèles. C'est que il y a de tout gros mille là gros le ouais comme mes mignonnes. Comme beaucoup de bergers le font déjà. Et toi aujourd'hui. Et au travers de ça. N'êtes pas bien. Vous pouvez voir que. Nous y a mené fia. Et ouais t'es doux mais tu vois quand même comment présenter la mère que voilà. Peut-être que quelqu'un peut être fiancé mais comment on l'a présenté à personne. Donc frère de fia. Inspiration l'avenir. Peut-être qu'un frère peut fiancer une soeur, mais puisqu'il y a les perspectives de la vie qui le combat de Paris, de, il ne peut pas avoir le temps pour cela, mais lorsqu'il sera en face de la situation, il peut faire quelque chose. De bonnes choses de Dieu, créature de Dieu. Mais tout cela fait sous l'inspiration du Saint-Esprit. Et nous as-tu déjà fait la bête bana? C'est pour cela déjà le vendredi qui vient. Mais c'est que il y a 20 morts, tu tiens les coudes, mais qu'il y a des tiens. Tous ceux qui veulent venir pour faire un choix. À mon nom, car là, on attend si danger. Ces gens-là vont commencer. Mais l'attend si danger. Ils vont commencer un jour. Mais laissez moi là. Mais c'est là, tiens, deux rois, tu as. Vous allez jeûner, vous allez demander que Dieu donne. Yo, qu'au sol, Marie, coude à mes deux là où là. Je vais accomplir mon appel avec quelqu'un. Nous voulons lui au masturbation, coude au dé. Portable, matin où là. Les petits péchés autres là, le portable, le téléphone. Pour nous, le portable, mon gars, qu'est-ce que vous pouvez vous faire? Avoir la pornographie dans son téléphone, c'est devenu une autre chose carrément. Nous vont au Badouni et bon, vous voyez, non, nous y a me base. C'est aussi un péché, ce sont des esprits qui viennent s'y. Voyez, comment t'es d'ailleurs, non, nous te prenons, nous t'entendons. Et cela ne peut pas satisfaire cela. Non, viens. Yeshu, vous coudions. Jésus s'est souvenu de toi. Amen. Amen. Alors, à toi d'utiliser la foi. Les quatre lépreux ont utilisé la foi. Dieu ne voit pas l'apparence, mais quand tu utilises la foi, il va changer ta situation. Oh non, mais parce que je suis le quoi s'il dit. Dieu n'a pas donné l'inspiration. Peut-être que tu as un peu de temps, 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 tu as un peu de temps,
Où serais-je en ce moment présent? Va appeler Mao Bena Mao Tcha. Nous ne pouvons pas décoyer ton nez. Mais merci à Dieu parce que Dieu a donné. Tu me dis, Mao Bena, oui, quel est ton dit? Alors je voudrais te dire. Mais tu es vraiment yayo. Ne pense pas que c'est de l'amusement. Nien tu nien nien Mao Bena Mao Tcha. Cela vient de Dieu. Nous savons que tu m'as Mao Bena Mao Tcha mené. Tout ce qui vient de Dieu, Dieu. Alors, quand notre papa vient de le dire, éprouve ta foi. Éprouve ta foi. Magana kogo. Tu seras plus seul. Et nous voilà, on a deux coups de temps. Et lorsque tu viendras, tu. Eh, ma belle, y a Hanem, Amolen Grunkovo. Et chez moi, à l'église, les gens, c'est. Ah, Nemo, non, Homo, Amolo, Tom, photo, Kudu, Mouba, Dari, Homo. Les gens sont venus déposer. Eh ben, le monde, mon papa, y a la basse, nous sommes. Parce qu'on t'en a remonté les gars, tu. Amen. 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 Que Dieu vous bénisse. Amen. 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 Alléluia. Nous te connaissons mon tort. Amen. La grâce de Dieu. Dieu tous, la série de cœur. Vous venez d'écouter des témoignages. Mais Bible bleue. C'est pas de l'amusement. Et pasteur, je vais chercher qui peut faire vous soigner pour ces régions. Le pasteur et sa femme que vous avez trouvé sur le procès n'est-il pas beau? Et quoi? Eh ben, il est notre bantor et oui, le premier. Il a dit qu'il est la première personne à faire le mariage. Ils sont rangs, même chose. De même pour sa femme. C'est fier. Écoute. Nous carré de famille ou à l'eau. Tout Dieu a trois l'avant. Amen. Au travers de toi, le changement viendra. Amen. Amen. Mais Balou ou Nibé, un blocage naissant, voit M. Sidi là. Il a battu. Il a deux racles. Amen. C'est pas pour rien qu'il y a un blocage, mais une onction viendra si tu as dû cohabiter avec une onction. Alléluia. Donc, c'est une opportunité. Vous savez, la piscine de Bethesda était remuée périodiquement, pas tous les jours. Au Blounet. Bravo. Amen. Donc, c'est les habiles, les gens les décisifs, les décidés. Les décis. Amen. C'est eux qui bénéficient de son service. Du service de l'ange. Alors, on avait. Le Seigneur m'avait inspiré sur cette organisation. Et on avait prévu la date. Et on avait commencé à prier pour ça avant la fermeture. La dernière fermeture des églises. Donc on avait reporté ça sur le dimanche prochain. Mais vous savez ça, parce qu'on avait déjà commencé par prier par rapport à ça, ou bien le Seigneur avait déjà déversé la grâce à proprement. Alors ça a fait que, même avant le forum, qui va avoir le dimanche prochain, beaucoup c'était. On a trouvé leurs fiancés, ils sont dans l'église même. Dans cette période-là, avant le forum. Imaginez dans le forum. Comment ça va être? Alors, alléluia. Nous vous encourageons à faire le pas de foi. Amen. Et c'est ce dimanche. Le dimanche qui est le dimanche prochain. Mais le jeûne et prière, c'est. Je peux le faire chez lui. Vendredi, samedi. Et le dimanche, on y est. On sera dans le jeûne toujours. Pour venir à l'église de la nouvelle dimension. 6 arc et dans le Sagoville. Dans le strict respect des mesures barrières. Amen. Donc, c'est pourquoi le nombre est limité. Si vous voulez vous inscrire, inscrivez-vous maintenant. Parce que la distance physique sera respectée. Le poids de main, donc c'est seulement un nombre que nous pouvons contenir. Amen. Et vous pouvez venir de n'importe quelle, de toute église. Toute église évangélique, ou bien en tout cas chrétienne. Amen. Et bien aimé, je voudrais vous dire que le Seigneur suffisait de vous. Le jour où vous marierez, vous allez dire, vous allez regretter dire pourquoi je n'étais pas marié plus tôt. Je ne vais pas vous donner les détails. Surtout quand vous le faites sous la directive divine. Amen. Et l'inscription s'est mis fin. Et ça nous permettait de confectionner des badges. Pour vous. Et aussi. Et le rafraîchissement. Amen. Donc, quand on vient dans le dimanche, là, à 15h, le prochain, à 15h, à l'église de la nouvelle dimension, soit tu es à l'étranger et tu veux
Es-tu un Togolais à l'étranger, par exemple? On le dit après Bibéade. Et tu cherches une fille du Togo. Amen. Fais-tu pour écrire mon numéro? Ma oula, clomi, mia tamono. Amen. Et nous, sinon, nous, mi dia, va au forum, mais si on a son photo passeport de Karasiva. Avant de venir au forum, amener une photo passeport. Mi dia, au registre. Nous allons faire un registre. Amen. À soi d'arrêt. Nous allons alors, ceux que Dieu va inspirer de choisir leur fiancé, en même temps, ils peuvent le choisir. Voilà, alors ceux qui ne pourront pas, puisque la photo sera là, lorsque l'opportunité va se présenter, quelqu'un va dire, homme de Dieu, trouve-moi une fille. Christ me la tête de son lait, et Amérique va nous dire. C'est seulement en Christ que tu peux te marier et quelqu'un va être avec toi et tu vas y trouver. Parce que, moi, de Kenya, chôme. Parce que seul Dieu connaît le et langage. Elle a te va donjou, c'est lui seul qui sait que cette personne-là te sera profitable ou pas. Mais il y a des choses qui sont arrivées, parfois nous voyons son âme et quelqu'un me va donner le moment. C'est pas le fait de te créer avec ton mari ou ta femme de courir et venir le jour là, je ne parle pas de ça. Mais elle va sur le bois. Mais elle va me le dire. Je ne parle pas de ça. Hey. Alléluia. Moi, je suis aussi son. Donc, ils ne sont pas divins. La te va faire. Ne sont pas là sur votre bonheur. Dieu voudra se souvenir de ceux qui n'ont pas de mari ou de femme. Si tu n'as pas de mari, tu peux venir. Votre corps va dedans. Tu peux être marié autre fois. Alors, son va coup. Ou bien ton mari. Et demain, viens me relation. Vie de calation, viens me relation. Tu as une. Viens me ton relation. Tu as un enfant ou deux enfants. Voilà, tu es à Congo. Mais tu es seul. Dieu dit que c'est pas bon d'être seul. Le meilleur ministère, mais le meilleur domaine. Mais toi, mon corps de son, toi, va être bleu d'eau, il fait avoir trop de mon foyer sous. Moi, trop de naou, son ou de l'Yesu. Et moi, je me le cas du maou naou. Alléluia, tout au mariage, tout au maou, au nous passer. La vie, écoute, Yesu a passé, elle est passée. Amen. Nous avons vu des gens qui étaient autrefois mariés, mais quand ils sont venus, ils ont fait encore le mariage. Donc, les fidèles d'autres églises peuvent venir. Et s'ils peuvent être accompagnés de leur pasteur ou bien d'un délégué de leur pasteur, c'est encore bon. Nous sommes au service de tout le corps de Christ. Donc si le soir portait sur un de tes fidèles, alors ensemble, vous allez faire le suivi, ensemble, on fera le suivi. En tout cas, on va vous les confier pour que vous leur fassiez le suivi. Pour que vous leur fassiez le suivi, j'allais dire. Amen. Et que, et à la fin, Dieu soit glorifié. Amen. Et dans l'église, quand les mariages viennent à l'accomplissement, quand les mariages sont dans le Vamea, cela fait révéler encore une fois la gloire de voir Amis Idé là, Dogo. Mais tu dois rencontrer une aussi. Yeah. C'est une affaire de rencontre. Question de rencontre. Et grâce, Maouné, vous. Et la grâce de Dieu l'a donné différemment. Amen. Tami, Bémi. Alors nous, Bémi Anglonko. De vous inscrire. Nous disons l'encore. Si tu veux t'inscrire. On atteint l'encore le 91. Tu peux nous appeler sur le 91. 49. 49. 45. 45. 50. 50. Amen. Amen. Et voilà un numéro. Ce dont tu peux donner aussi ton numéro. Okay. Pour l'inscription. 90. 90, vous vous inscrivez sur 90. 78. 78. 95. 95. 88. 88. On va vous redire ça. 80, 90, 78, 75, 95, 88. Parce que nous, on va voyager un peu, mais on reviendra, je reviendrai dans le pays avant le dimanche prochain, spécialement pour cette affaire. C'est pourquoi on a donné de tous les numéros aussi pour qu'ils soient joignables. Amen. Donc, le 90, 78, 95, 88. En plus du numéro de ma femme, qui est le 91, 49, 45, 50. 91,
49, 45, 50. Donc, parce que je viens déjà de dire, dans d'autres églises aussi de la Nouvelle Dimension, des listes se font déjà. Mais je bénis Dieu pour la vie d'un pasteur, je viens un pasteur qui est venu à l'église avec sa photo et pour postuler. Amen. D'une autre église. Hein. Il est d'une autre église. Il a sa paroisse, mais il a cru. Il a cru. Il croit. Il connaît un peu cet appel-là. Il y a cru. Amen. Et donc nous vous invitons. Que Dieu soit glorifié. Amen. Que Dieu soit glorifié. Donc nous allons ouvrir bientôt l'antenne pour que vous posiez des questions par rapport à tout ce qu'on va présenter. Si vous voulez d'éclaircissement, on pourra vous en donner. Donc, en venant le jour, là, si vous ne voulez pas venir, vous pouvez envoyer vos photos et l'inscription. Vous pouvez amener la photo. Si vous ne pas, vous êtes empêché le jour, là, vous pouvez envoyer votre photo. Mais si vous voulez encore venir, ce serait encore bon. Mais en venant, soyez toujours muni de la photo pour que ça soit maintenu dans le registre. Amen. Pour que nous continuons de prier là-dessus. Et lorsque ça va répondre, on va présenter le registre à qui aux éventuels personnes qui seraient dans le besoin. Et si le Seigneur te choisissait, alors nous te ferons signe. Et on viendra voir ton pasteur. Soyez bénis. Vous pouvez appeler bientôt. On reviendra vous recevoir bientôt. Amen. Pendant qu'on va passer encore le poster du réveil. On va vous recevoir sur le 90-12-17-28-65. Le 90-12-17-28-65 dit. Amen. Soyez bénis. C'est une occasion de ne pas rater. Ce n'est pas de l'amusement, c'est divin. Vous voulez dire le témoignage. Amen. Sinon, on ne trouve pas grand-chose là-dedans. Et ce que je me fais, c'est le badge et le truc. Et le ravissement. Moi, je suis venu payer ici avant de vous l'annoncer. Mais il n'y a rien. L'inscription, c'est pour le badge et quoi aussi? Pour le ravissement. Mais c'est une mission que je vous ai confiée. Et c'est lui qui récompense. Maintenant, c'est à toi de jouer ta part. Amen. Le technicien peut nous faire passer le poster de Dieu réveil pendant que vous recevez les Allô. Allô. Oui, bonsoir papa. Oui, là, au tien, Lou. Oui, là, au tien. Amen. Mille c'est comme. Et mille aussi, vous. Et il m'a dit que ça m'a fait bon, on va dire au Béleka. Et Dieu doit passer au travers de nous, donner le sourire à quelqu'un dans sa vie avant qu'il ne parte un jour. Amen. Amen. T'as bien dit 92 17 28 65. Donc vous pouvez appeler sur le 92 17 28 65. Amen. Amen. Nous, Dieu là, ils sont en avant. Allô? Allô? Oui. Oui. On est là. Oui, là, mais tiens, l'eau. Ne suivre, il y avait une Merci.
Frère Mille Senka, moi, le coup, dit. Il a bien qu'on se dorme, maintenant, on se coucouille. Attends, on tient d'ombre, maintenant, on va de là, il y a fidèle. Il est mort là pour poser de nous. Hein? Amen. T'as mon frère, frère, mon iran. Amen. Mon iran, ami. T'as. N'y a un long corps. Hein? Le 91, 49, 45, 53. Mi frère, n'y a comme, tu vois, son badge, non. Hein? Kodo, rafraîchissons, va pas. On va faire une double bravo, on va faire oh. Hein, c'est une vidéo quand on gospel vidéo c'est il m'a ou là on va ta mon nom nos vieux m'a ou José Dawit Merenti amen m'a ou là nous comme les dit amen alléluia Alléluia, mi trova e moadi. Nous sommes revenus à l'antenne. Alléluia, mais j'ai tellement la date mon télévision après à Beta, ben dit moi tout, il me le plus mon ya et papa a dit nous pour m'appeler télévision 4 ans. Une fois encore nous remercions Dieu pour la vie de cette télévision, la vie du pasteur a radié sa famille. Mais au Qatar de mauvais télé va Togo à mon ira au Qatar. Et tous ceux qui ont permis que cette télévision soit au Togo, que Dieu les bénisse tous. Amen. Amen. On l'a dit au 92 17 28 65. Tu peux appeler sur le 92 17 28 65. Maoué Dou à Boya. Oui, mais un homme comme il s'en va. Et il va faire où là pour le miadi. Et pour dire la connaissance, pour la destination. Et c'est Dieu qui a instauré cela que nous sommes tous dans le jardin. Et Dieu nous fera grâce d'avoir choisi quelqu'un ce jour-là. Alléluia. Amen. Église la nouvelle dimension. Alors nous vous invitons à l'église la nouvelle dimension. Nous sommes à Hedranawe. Nous allons Hedran Lomewa, Togo. C'est au Togo. Nous allons Hedranawe. Arrivé à Hedranawe. Dieu s'est belé et Sagoville, Masamando. Demandez que vous allez vers les mecs Sagoville. Nous d'où le Asivio me fait rougir en soudien. Et si vous quittez le feu rouge d'Asivio. Belé Asivio Hedranawe. Mon est technicien. Un numéro, un ami. Il nous a écrit le numéro. Numéro qu'on dit, la tête nous colle. Le numéro sur lequel vous pouvez. Et moi, là, n'a pas fiancé. Et Dieu vous fera trouver votre fiancé. Ah, ma ou là, ouais, tiens. Dieu te le fera aussi. Amen. Amen. Il y a le numéro, dites-vous. Appelle sur ce numéro. Nous, quand on va, quand dimanche, on va aller mettre au bas du dos gamedi. Que les noms viennent avant le dimanche pour que nous puissions confessionner les bagues. Allez, ben, mettez le nom, que les gens ne sont pas. Et vraiment. Et ben, de que moi, là, va te mener. Et. Si nous atteignons le nombre que nous voulons, c'est parti pour l'année que Dieu nous a fait. Allô? Allô, moi, mais mon Irami. Irami, tiens, allô. De ma donne séminée initiative, il y a taille. Amen. Dès que le forum à la navena, et bien, nous, tiens, ma ouvre, nous, au poto, c'est la mère. Ah, nous voulons jeunesse, mais nous voulons la noter. Amen. Amen. Et là, mais déjà des soins, il y a des gens qui ont été là, ils 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 ont été là
Il y a des certaines questions ici que nous allons recevoir. Amen. Amen. Papa, ma mouna yéro zéré kake. Amen. Merci encore, papa. Nouvelle dimension, bé, adanya yébé, bére, amérique makou, ne me guérébé chomemo. Waouh. La nouvelle dimension est que personne ne mourra sans accomplir sa destinée. Et bien, que frère Guillaume vient de faire un coup. Ce que frère Guillaume vient de dire, ma mouna. Nous sommes visionnaires. Si Dieu donne une vision, et tout le monde vous dit où sont les. Il passe par plusieurs moyens pour l'accomplir. Quand flan, ne de tôt, mais de nous, la diwa. Excusez-moi, si ton papa ne sait pas marier à ta mère, est-ce que tu seras né? On va bloquer les villes de Chifunda. Le bloc, un enfant là-bas. De mon voisin, on va s'en aller. Permet que Dieu t'utilise pour faire quelque chose. Amen. Amen. Ta, ne m'en va pas, vision, ne m'en va pas, ne m'en va pas, ne m'en va pas. Là, t'es initié, nous, moi, là, tout ça, inspiration, c'est un ami femme. Et si la vision dit que personne ne mourra sans avoir accompli sa destinée, alors il peut nous donner ce genre de choses. Ta, nous, on dit que Dranoué, Asivime Karofuna, si je vais dire, il s'agit de ma bonne année. Alors, si vous quittez le feu rouge Asivime, et vous allez vers l'immeuble Sagovie. Qu'on a bâti au dessus, pardon, qu'on a en main. Le premier vent à votre droite, entrez dans ce vent-là. Ils ont viré parmi cette église de la nouvelle dimension. Longez un peu le vent et demandez d'appeler l'église de la nouvelle dimension. Gamme, souvent, tu as dans une nouvelle dimension. Il est temps que ta vie aussi atteigne un nouveau niveau, une nouvelle dimension. Mais va maintenant. Moi, je dis, mon fiancé, son nom de mec, me foire, alors, me couvre Romain. Va, hein, dimanche, y'a. Votre team danse au cacamo, firade. Et dit ma considère de vin et à vous d'avant venir nous va pas tourner mon quoi à l'une d'un grand connu à tchawa et bien record vraiment ou la nabola la seconde à tous ceux qui veulent participer à ce forum de mariage soyez en jeûne le vendredi et samedi et je t'assure que tu trouveras tout toi. Amen. Maoula promis Dieu va vous aider comme prophète d'accord là. Alléluia, on te tient la route pour le Dieu m'a confirmé à deux ans. Mais toi, si tu auras la confirmation avant que nous agacions. Frère Guillaume, et tu me trouves à Baoui. Amen. Amen. Il y a un frère qui a rencontré l'ancien. Il a été nommé au phare. Il a été nommé au phare. Vous pouvez continuer par appeler quand il sera en train de poser la question. Mais tu veux annoncer l'initiative. Tu veux encourager cette initiative. Alors, tu veux bien aller essayer. Ou bien tu veux demander une question. La TIO fa 92 17 28 65. Tu peux appeler sur le 92 17 28 65. 92 17 28 65. 92 17 28 65. Nous sommes samedi né pour Garcia de Caracas sur la radio Bonne Nouvelle Champ. Le samedi à 21h, vous pouvez me suivre aussi sur la radio. Ton ami est à doute à l'église de la Nouvelle Dimension. Demain soir à 17h, nous allons encore prier à l'église de la Nouvelle Dimension. Courage, Bélamia, doute à l'église de la Nouvelle Dimension. Mercredi, nous allons prier dans les cellules. La tête, on peut les cellules, mais force, on va nous faire. Tu peux t'inscrire dans les cellules, on va nous amener le nom. Et ne coque mon nom, pas mal, profite que la tête, que la tête, on croit les cellules, mais pas mal de le fond. Et si tu me donnes. Attends, tu donnes donc, ou tu vas dimanche. Et si tu me donnes ton quartier, tu peux te dire le responsable de cellules qui est là-bas, et tu vas lui donner la photo, et le fait d'inscrire, après, tu viendras dimanche. Alléluia. Et nous, tout le dit, vous avez fait un peu de temps, vous avez fait un peu de temps, vous avez fait un peu de temps, vous avez fait un peu de. Et si tu ne peux pas venir, alors envoie ta photo et les faits d'inscription, nous allons confessionner les faits. Et ta photo sera dans le registre. Amen. Et frère, monsieur le Guillaume, amen. Et bien, faut voir la lire à CB. Le frère a témoigné. Le Robert Doumer. Que dans leur village. Ah, j'ai tort le Robert Doumer. Qui a des sorciers dans leur village. Et quand Dana est décédé, il m'a fait un baka, quoi. Et le village, et les sorciers ont dit qu'ils ne viennent plus jamais dans le village. Et tu as dit que les quatre pères seigneurs. Et depuis que je n'ai écouté cela, appris cela. Et mon père André qui va faire un baka, il va quoi. Il a fait 7 ans sans aller au village. Et on va de Guabisicia. Et il est venu rencontrer l'autre. Et non, Morovana, il y avait là, il croit à voir. Et au niveau au décès, il va jurer qu'il va faire un baka, quoi, à la Jarawa. Et il y a certaines situations qui l'obligent à aller au village, mais puisqu'on lui a dit qu'il ne va plus aller au village, sinon il sera fou. Et on va de Guamissia, là on va casser, on a mis à tort. Quand il a rencontré l'ancien, il en a parlé avec notre papa. Et on notre souvent. Et il ne continuait pas à venir au culte. Et on y a un pas allô. Allô, Mauvame, Oyro. Oyro, Okalo.
Amen, amen. Papa, m'dakbe na maude apakbe ota. Amen, amen. Eye amisisine ide amisisidinami. Amen. De initiative ke mi darea. La pere amegere onchi o la tole mpen ba ple vlododome. A ou soma de menyan, do menyan yi. Maune irami gobore. Amen, amen. Amen. Ma ou ve mi ami anou mi ami kpo mi atovo. O tia nou be dimension kwele. Allô. Maman avait à Pompono. Ah hein. Papa comment maman est les oreilles du son là. Il y a une veuve papa comment maman y a. Il dit fa. Ligne moyo. Allô. Allô maman est venue moyo. Shalom papa. Shalom ma fille de Kofondo. Oui pour Yesu il y a une gogoro de papa. Amen amen. Amen. Emia qui me donne un jour dynamite. Amen. 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 Oh, but over. Amen. Amen. Vinye mo yo. E ira otro apia. Le Yesu mo kwazi. Amen. Yes. Bye. Pour que me dise mo da. Regardez comment elle est apaisée. Et gonwa yo la. Vinye no nu America. Et non, non, ma ou n'y a pas non, non. Les non-vies, j'en ai. La volonté de Dieu est que. Non-vies, là, les fonds. Si quelqu'un trébuche. N'y a l'on longtemps. Si dit, mais les là. Azon me poeta, j'y n'y fa. Et non, 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 ma ou est sena. Ma ou est sena. Et non, non, ma ou est sena. Ma ou est sena. Aho, n'y a l'on longtemps. Si di mele la azon mwen poeta jinye fa avinye o tia la jika ma di jou jadbe nan lonko nan va kosire adbe et bien ce dimanche o ndo ki wonti ko ma o de mi va tele ya ro peut-être que c'est à cause de ça que j'ai la dole hein o kenye client fidèle konto o tia la kanzuzu la rome ye de la vendeuse de fion la trop tu vas manger de bonnes choses. Amen. Mangula weno. Je te le fera. Kwesi. Croix. Abari. Sonde de anunyu adelo. Dis le mariage est une bonne chose. Sonde de anunyu adelo. Le mariage est une bonne chose. Sonde de anunyu adelo. Le mariage est une bonne chose. Amasho podi anu dakpe na ma. Ceux qui sont mariés qui remettent. Sonde de anunyu adelo. Non vi jani non vi la le fo. C'est une bonne chose si tu dans le gran lilo. Nyaro gbogbo le pli. Tu peux tomber. Abia vouvoa ma gbogbo. Tu peux vouloir te confier à quelqu'un. Sonde de anu nyaro. Il y a aussi le temps de froid aussi. Abé atron a hovie, nimenya kote va nene blé. Alléluia. Ene nimenya kwa ka mfu ba nya, nya wa tsale nene to bire. Je ne connais pas le. Ma une demi le ma. Le Yesu, ne pas fait que ça arrive. Le frère qui vient d'appeler. Ka ba ka bou sumbona le. Il est fidèle dans une autre église. Vois, ayo ni so comme pour la charité pour moi. Et il est le président de la jeunesse là-bas. Vois, a mon bouya. Fait que le poil la foule nous sont en nous levant. Mais là où tu trouves la grâce, tu prends les choses là-bas. Et ne que le c'est total d'eau pour toi les raboum. Et de même, c'était fidèle dans la nouvelle dimension, trouver leur fiancé dans le Christ. Tu as pas mis les tours du menu beto chimanya yo. C'est pas une affaire d'église, mais nous construisons ensemble le royaume de Dieu. Elle va se toi pour vivre aller tranquille. Il est venu prendre pour lui calmement maintenant. Manda cinq ans. Tu vas plus entendre. Et me dit Dieu. Maula wa nochi Yesu mako. Dieu te le fera aussi. Amen. Fifia, frère. Et missionnaire Guillaume, il y a eu différent. Amen. Et bien, faut voir. A tes femmes. Mais le c'est la série. Tu peux appeler en écoutant les témoignages. Elle a noté le mot, la nouvelle dimension. Elle a tes hauts, son message, ton nom. Cela va te prouver que Dieu est à la nouvelle dimension et il te donnera le mariage aussi. Amen. Amen. Et bien, faut voir le soubol. Amen. Amen. Et le frère adore dans l'église actuellement. Et il y aurait eu avec Pataka. Il y a eu avec Patrick. Et on l'a appelé au village. Et cela, c'est nécessaire qu'il aille. Il va pas m'y attendre. Non, non, mais on est. Et il en a parlé avec un papa. Et entendu un chichi donc qui a me tourné. Et notre papa lui a dit de faire un jeûne de 3 jours. Et on a un chichi donc qui t'envoie. Et après le jeûne de 3 jours. Et bah, il
d'aller au village. Il y a l'entité dans le que ton lit et dans le jeûne, le troisième jour, il a coudre. Il a rêvé. Mais il peut avoir un gars qui a il y a le gong qui est tombé sur sa tête. Et ok, il va la nanyata bientôt d'assirer. Et le lendemain, il est venu dire cela, on ne peut pas prier pour lui. Et il est parti au village. Il a fait tout ce qu'il doit faire là-bas. Il est allô. 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 Oui. Allô. Allô. Ah oh, télé à Yomene. Télé à Tutuya. Télé à allô. Trovano va du volume à virer. Tu peux revenir, mais quand tu viens, diminuer un peu le volume de ta télévision. Mais il y a doute pour laquelle on nous y a. Nous allons prier avant de faire cela. Donc, bon, on va dire à mon aide de son. Continuons là-bas. Les esprits qui ne veulent pas que les gens entrent dans le mariage, ces jours-là seront brisés. Mais où est-ce que là-bas, où est-ce que le Dieu qui l'avait fait le fera encore. Amen. Amen. Il y a, je l'ai ignoré, je il y a toujours, il m'a dit, il est village à Kassega, mais que Dieu a eu la bonne. Il est prêt à aller au village, il est revenu, c'est un sauf. Et maintenant, il va, il revient chaque fois qu'il veut. Et à me fond, il y a que Yedo Mberintia, que Yamedorintia, Babak, et ce que le méchant a prévu, cela n'a pas eu lieu, n'a pas eu de fait. Et bientôt, à Mississippi, pour Bawoto. Il y a Dieu, le Togo, il y a Kaka. Et l'ancien a quitté le Togo jusqu'en Amérique. Il faut voir l'Amérique. Il y a un de nos frères en Amérique. Un fond décané quoi. Il s'est levé un matin. Et on et la voiture qu'il utilise est gâtée du tout. Il a tout fait en vert, la voiture ne se démarre pas. Ici, il y a un vaudé, nous sommes le dodo moué. Et en Amérique ou bien en Occident, toutes choses sont dans l'ordre. Ici, l'usine qui a fabriqué la voiture. Il était parti là-bas. Oh, diagnostic, il a voit caca au moteur que le voit, mais moteur a pas après le diagnostic, on a dit que là, le moteur est complètement foiré. Au fond, il y a quoi que caca. Vous avez que Hotchil qui a été matéglé nore. Le frère se disait comment est-ce que la voiture peut se gâter comme cela. C'est une nouvelle voiture. Et donc, combien de temps a dit au Yomiato? Et il s'est souvenu de notre papa, il a pris notre papa. Et au Blanon, mais et il lui a dit la situation. Combien de temps au Miava Mawacha mécanicien au Nier? Et notre Dieu, le papa lui a dit que notre Dieu aussi est un mécanicien. Yomiato, donc, voilà, mais c'est le Dia. Oh, papa. Oui. Je suis en même temps. Dany Cholo. Amen. Je dirais que Jésus fera grâce à tout le monde. Alléluia. Dieu fera que nous allons prendre part. Il dit ça. Et bien, il faut y aller en Amérique au Yog, leur expliquer mal à Miato. Le frère a appelé depuis l'Amérique, il a expliqué le cas à un papa. Papa Dogora. Papa a prié. Il y a que Dogora voir. Il faut y aller en voiture à Gwedego. On a encore mené la voiture chez un mécanicien. Il faut consulter voir. Le moteur a l'ayé. Après le diagnostic, le moteur est neuf. Je vois qu'on constate un moteur à blé. Les blancs qui avaient fait le constat que le moteur est foiré. Qui ne pas moteur, vous le voyez. Ils ont et réglage vivier qu'on va voir battre dans le ils ont vu un nouveau moteur dans la voiture et ils ont fait certains réglages et puis c'est tout. La série est aussi bon. Il y a plein de témoignages. Amen. Je voudrais que vous nous expliquiez certaines choses. Je connais Yesu. Que la grâce soit donnée à Dieu. Le moteur que Dieu nous a mis à tel téléphone, mais d'où est le téléphone à moteur à Douagbea. Au chance pour son réunion, la tête doit être faite. Si le moteur d'une voiture qui est gâtée depuis l'Amérique, nous avons prié au téléphone. La mesaine, la tête doit être faite. Ta santé aussi peu. Ne me n'y a tout dit qu'au cas de famille ou à dire. Je ne sais pas le clou qui est enfoncé sur ta famille. Mais Kaflan, donc il n'a pas mariage, j'aimerais tout le monde au cas de ma vie. Peut-être que ta maman n'a pas fait le mariage jusqu'à la fin. Et toi, chant, nous y a beaucoup de tirs de fou. Parce que ton papa a fait
bon ouais tout ce qu'on a roulé avec moi mais le coup là sera défoncé de cadia d'un coup gris clair et tajine le jeune homme le gant est tombé sur sa tête et pas ma fille mais là mais de haut me mon massime c'est pas qu'un beau bébé là tu vois mais vous avez pas d'accord avec la la dîner tajine pas vous et d'ailleurs vas-y de quand même et cela veut dire que si Dieu n'a pas intervenu lorsqu'il sera au village il va attendre les gants. Il n'y a que maulet blobana, il n'y a dolenta selon maxima maulet pedoji. Et Dieu confirme ce qu'il a dit de sortir de la main des oppresseurs. Et dans ma temps pour profiter à nous réveiller nos bana me garatio. Et je profite pour vous dire que de ne pas rater le réveil. Et quand ta cela ma bima qui comme pour voilà pour le fond les sous nos comme. Là où ils ne veulent pas te voir, ils te verront là-bas. Voilà pour la meilleure heure du matin. Ils te verront parmi les morts. Mao vivant bon demain. Les vrais sont de là au demain. Ceux qui sont mariés, ceux qui voyagent, Maudor, parmi ceux qui travaillent, Maudi, ils te verront parmi ceux qui ont la joie. Da, kaka, les gants sont tombés de la pièce. Maintenant, ce jeune homme-là est libre de la va maintenant au champ. Que cela te soit accompli aussi. Et maintenant, combien sont jeudi qui viennent de Doudoura, mais la main de midi. Et je me rappelle que le jeudi, pendant la prière, mais, bon, le, jeudi, le jeudi, tu peux venir aussi. Et Doudoura, 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 nous prions de 11h30. Si c'est arrivé, va. Une soeur était et c'est moi au Vunkuna là. Et quand Dieu m'a ouvert. Mais si c'était à moi, pau, on ne les voit pas. J'ai dit, soeur, je t'ai vu, tu avais. Et bon, mon bébé vient là, si moi. Et en ce moment-là, tu avais un petit bébé. Venez, mais je finis dire, quand je mon bébé vient là, si moi, mon bébé. J'ai vu un bébé en terme actuellement. Venez, mais c'est comme on dit. Mais j'ai pas compris. Juste, ça s'en va encore. Et ce jeudi passé, là, mon gars, en coup. Le jeudi passé devant tout le monde. Ah, moi, encore, on m'a gardé si moi. Elle dit, homme de Dieu, tu ne me reconnais pas. Mais va, fille, pas. J'étais venu ici. Mais mon faux, faut être blé là. J'ai souvent des fausses couches. Monsieur, vous êtes combien ils sont hein? Ah ah. Ah ben, il va de la paix, ils sont hein? Elle dit qu'elle était venue à la prière. Ma carapacha. Voyez-moi, vous pouvez amener les filles là, un coup de rebelle, vous nous affonnez. Et quand elle était là, j'ai dit que quelqu'un a rêvé que le ciel a mordu. Vous me doutez, mais là, t'as frère, si seul, il y a tout, va payer. Et la soeur était sortie, j'ai pris. Mon cassis. Et Dieu l'a touché. Eh ben, il faut foutre le blé. Elle dit qu'elle a souvent des fausses couches. Et me tourne pas ma fouma garde blé. La foule là, n'y a pas. Je lui ai dit qu'elle n'aura plus des fausses couches. N'y a pas de blé. Elle m'a dit. Ça fait un peu longtemps déjà. Et ni soit que. Elle doit ouvrir que. Foua, manière de fou les choux. Ah, manière de fou les choux, on va. Elle a porté un boubou. Et on peut manger beaucoup de vie. Et bon, y est, va me foua les vies. Je lui ai dit que j'ai vu qu'elle était avec un enfant, mais elle a confirmé qu'elle est grosse actuellement. Il y a des mois de cela. Et elle n'a plus de couche. C'est l'ancien qui brise les jours. Et Christ est l'ancien. Et Christ est l'ancien. Christ est l'ancien. C'est Christ qui le fait. La gloire lui soit donnée. Christ est l'ancien. Ce Christ la t'aime aussi. Alléluia. Il a te soit donné là. Si tu peux lui donner ta vie. Elle a donné un petit nyando. Il va changer ton histoire. Elle a donné un il va briser le. Elle a donné un tasse là. Il va te sortir de la mer de l'opérateur. C'est pour cela, demain à 17h. L'église de la nouvelle dimension. À l'église de la nouvelle dimension. Nous allons continuer ces prières. Et Berak Bela. Et le mardi. Le temple est ouvert à ceux qui veulent être aidés. Assistants, le PAM. Il y aura les assistants. Et Kourak Bela, quoi que mon ami, vous avez dit que vous voulez, mais si on m'a dit comme Adou Bela. Et les morts, ils sont dans le fond. Et le mercredi, nous allons faire la prière dans les quartiers, dans les cellules de maison, je voudrais dire. Et si tu m'appelles, tu me donnes ton quartier, je te donnerai le leader. Il y aura des gens qui font des bedoura gavana. Le jeudi à 11h30, il y a ces gens de prière aussi. Et fier avec Gatomi Gadona Bela. Le vendredi à 17h. Considérez bien que Gadien se soit dans ton vanama. Les dimanches, à partir de 6h, il y a le premier cours. Mais le français, on a votre demain. C'est en français, on interprète en hébreu. Aïe, Novio. Et ce soir, vous l'avez gagné, à pas gao. Le second culte commence à 8h. Hébreu français. Hébreu français. Et ton la gao, la gao, vous la, hébreu anglais. Le troisième culte commence à 10h, fini à midi. Nous gagnons ma ou gao, hébreu. De plus grande chose, Dieu a. Mais tout le monde, c'est vieux, Katan. Je salue tous les fidèles. Le pasteur, Katan. Et tous les pasteurs. Pour que le tout du champ. Et à toi, Christ, qui est, et à tout le corps de Christ. Ma que Dieu nous donne la vie. Et du jinami, et nous a tous donné la vie. Et ma vie. Que sa main soit sur le Togo. Et, wa, a, o, nui, na, Togo. Et qu'il nous fasse du bien. Et pour faire du va. Et que son règne vienne. Mais Yeshua encore. Amen. Il n'a pas non. Ma ou ma brobe. Je finirai en voilà, fait. Tu peux continuer par 92. 92. 92. 17. 17. 28. 28. 65. 65. Et quoi, vous l'Amérique. Une voiture en Amérique. Ou que là, il y a un fifi, alors il y a un prairie. Alors, il va dans le mari. Ou à Béton, il y a un fifi. Et bien, moi, il y a un fifi. Toi qui viens en live,
Mega kedi le di homo. Ne doute pas. Mawade le miens. Nous avons un Dieu. Mega ha. Ne te lamente pas, il te le fera. C'est quoi les arrêts à mon iré? À ceux qui viennent. Où tu vas de bouncy aux zones? Dieu la bénisse. Où tu bag now? Tu seras honoré. À d'un coup de maou. À d'un coup de fumotau. Alléluia. Amen. Pour le forum de mariage hier. Je t'invite dans ce forum de mariage. L'église la nouvelle dimension. Siège. La nouvelle dimension siège. Va. Viens. Si tu as donné son envie au avant, sœur, encourage ton même de son chat à vos vies. Si elle s'est mariée, tu seras un peu libre aussi. Alléluia. Non, viens, Tonya. Mon frère. Enonye. Ma mère, mon père. Oh, au soir de manière où tu m'as tenu solutionné, vieux. Dans cette affaire, tu m'as tenu solutionné. Tu ne peux pas trouver la solution. Ma tête, elle ne peut pas descendre. Il m'a dit forcément. Tu ne peux pas aller attraper un homme de bénédiction. Voilà, nous, il y a que mort ou derrière le dos, vieux là. Mais ce que Dieu a instauré, si tu envoies ton enfant, Aden, Dieu t'honorera aussi. Alléluia. Tout pour moi, aider pour l'infini. De 16 ans à l'infini. Sauf pour moi, aider pour Blani. À partir de 16 ans à 80 ans. Parce que la nouvelle dimension, le jeune, c'est qui? C'est celui président. Qui n'est pas encore mort. C'est celui qui n'est pas encore mort. Amen. Il avait la nouvelle dimension à des quartiers, à l'autre de Tubi, à l'autre de Sopé. Parce que là, d'où venons, écoute, Bromi, il est là. Nous parlons juste de ton conjoint. Il est là-bas, Manu a mené à Congo. La Bible dit que. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. La tête ton con, le numéro que l'écran dit. Alors tu peux commencer par t'inscrire sur le son de ta tout pour ce forum de mariage. Il y a seulement comme. Et Dieu te donnera la victoire. Alléluia. Toi, vous voulez dire ça? Commence la prière de la Yesu. Il sera en Tonya. Mais soit signe. Dis Seigneur Jésus que je rencontre le mien ce jour-là. Jura, conseil de Kedona. Le dimanche qui vient. Nous, le tout Yesu n'est pas la sioua. Si vous êtes à l'écoute. Avant de quitter, je voudrais que tu donnes ta vie à Jésus. C'est fini là. Écoute ici. Le Cana me sont le père. Et dans le mariage du Cana, dans les noces de Cana. Et Jésus me va envoyer dans l'eau. C'est l'arrivée de Jésus qui a tout changé. Ta manière de rien comme Jésus que me le doit plaire. Allô. Oui, allô, bonsoir, pasteur. Bonsoir. Allô. Allô, je vous reçois. C'est la télévision. Oui, c'est la JCTV. Allô? Allô, je vous reçois. Oui, bonsoir, pasteur. Bonsoir. Soyez béni. Soyez béni aussi. Oui, c'est le frère Joie. Ok. Le frère Joie. Amen, amen. Je me sens grec. Ok. Soyez richement béni. Soyez béni aussi. Et que le Seigneur se manifeste encore plus. Amen, amen. Oui. Merci beaucoup. Amen. Bonsoir. Bonne soirée à vous aussi. Au nom de Jésus. Amen. 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 Donc c'est ça, c'est Jésus. Son entrée aux noces de Cana. Qui a fait de ce mariage ce qu'il était censé être. Amen. Donc tu as besoin de Jésus dans ta vie. Pour redonner forme à l'informel. Pour que Jésus redonne forme. Amen. Donc je voudrais que tu donnes ta vie à Jésus, mon Seigneur. C'est lui qui a dit, n'est pas bon que l'homme soit seul. Et cela vaut autant pour la femme. Alors, tu veux l'accepter dans ta vie? C'est lui que j'ai reçu et moi j'ai eu ma femme aussi. Et je suis tranquille, par la grâce de Dieu. Par sa grâce, bien sûr. Alors, tu veux donner ta vie à Jésus? Lève les mains et dis ceci après moi. C'est lui qui fera son entrée dans ton temple qui est ton corps. Et toutes tes limitations seront brisées. Et toi aussi, tu seras accepté. Dis ceci après moi si tu veux nous Seigneur Jésus, j'ai écouté ta parole. Je reconnais que je suis pécheur. Je demande que tu me pardonnes un péché et tu effaces mon nom du livre de la mort et que tu l'inscrives dans le livre de vie et que tu deviens le sauveur et le Seigneur de ma vie.
et que je te serve jusqu'à ton prochain retour. Amen. Seigneur, je te confie cette personne. Aide-la à trouver une bonne église et adorer là-bas. Aide-nous ton disciple comme nous aussi. Au nom de Jésus. Amen. Donc, cherchez une bonne église et allez là-bas. L'une d'elles, c'est la nouvelle dimension. Qui est dans sa ville et partout ailleurs. Soyez bénis. Bientôt, on va dire Aloua le Wasio. Pour toi aussi. Amen. Et Jésus sera glorifié. Viens à ce forum du mariage. Viens, je te donne le tien. Ou la tienne. Bye. Amen. Amen.